Et c'est parti pour l'épisode 9. Donc on a un peu d'argent. Une dynastie est en deuil. Hop. Ici on met en vente ça aussi. Est-ce que notre personnage ne payerait pas quelques primes ? Bénis soient ceux qui acceptent. Allez, on va payer des primes. Au travail. Voilà. Je suis là. Notre femme a contracté la peste. Va consulter un médicus. Ici, on va mettre ça en vente. Alors, un enfant en âge de commencer un apprentissage. Toi, tu vas aller à la guilde des marchands. Ici. ...218 en prix de base, 77 en prix de base. Il faut que je travaille. Tu vas venir ici pour y vendre. Donc ici on a payé nos primes. Une dynastie est en deuil. En avant. Tu vas stimuler les travailleurs. Ici. On va attendre que la charrette revienne. Voilà. Et on va faire une livraison de laine. Et quand elle reviendra, on refera une autre livraison. Ici, on est comment niveau... L'offre spéciale d'un comptoir est terminée. Un comptoir achète des marchandises pour sa grande fête. Niveau blé, on est bon. Du parfum, on n'en a pas. Allez, on va accélérer. Une dynastie est en deuil. Une dynastie est en deuil. On va avoir la fin de tour. Fin de tour. Allez, maintenant, on joue comme il faut. Enfin, on joue comme il faut. On se remet à jouer, hein, tant que la fin de tour est passée. Allez, sauvegarde, accélère. On a besoin de notre charrette. On va livrer de l'orge. Faut que je travaille. Tu décharges et tu repars. Ici. On met tout ça en vente. Ici. On met tout ça en vente. Là, on va mettre ça en vente. Tu prends ça. J'ai mal au pied. Tu viens là, tu décharges et tu repars. La taxe sur les ventes vient d'être modifiée. Ici, on va attendre le retour de la charrette. Notre femme va mourir. Ah bon ? La chapelle de mariage, ça ne servira à rien. On va plutôt à l'église. Acheter du matériel de guerre. Non. Tu pourrais changer de foi. Non.
Protestant. Il n'y a pas d'église catholique. On va aller voir à Hambourg. Tu peux aller à la cathédrale. Du coup, j'étais parti où moi ? Ah si, j'étais... Je voulais être ici en attendant que la charrette revienne. Je vais finir par me payer une deuxième charrette ici. Elle en met bien du temps cette charrette. Hop, du coup, on va emmener ça et ça. Il faut que je travaille. Tu viens ici, tu décharges et tu repars. Famille vient de mourir. C'est ce que je pensais. C'est avec une grande tristesse que j'annonce le décès de Gay Chambler. Elle a passé 35 années parmi nous. La dépouille sera enterrée dans le caveau de la famille à Danzig. À Danzig. Oui. Du coup, gérer le groupe. Non. C'est sa femme qu'il faudra retirer du groupe. Eh bien, je ne peux pas la retirer du groupe. Faut que j'aille dans Dynastie, Arbre Généalogique. Retirer du groupe. Bien oui. Mes enfants ont quel âge ? Je ne peux pas savoir pour l'instant. Subit un deuil cruel. Pendant un an, elle ne peut ni courtiser ni être courtisée. D'accord. Du coup, qui c'est qui va faire le rôti ? Est-ce que ça serait pas nous ? Bêtement, vu que Olga est au service. Avec plaisir. Du coup, je suppose que je ne peux plus améliorer ici. Et on a un employé qui est parti. Alors, pourquoi on a un employé qui était parti ? On ne sait pas. L'habit se vend 87, la bourse se vend mieux. Eh bien, toi, tu vas produire... Il y en a un qui produit du tissu. Donc, toi, tu vas produire des habits et toi, tu vas produire des bourses. Ici, toi tu vas prendre ça que tu vas aller vendre. Ici, décharger et repartir. Ici, notre charrette n'est toujours pas arrivée. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a livré les ressources, elle a pas livré les... Elle est passée où la charrette ? Elle s'est faite braquer en route ?
Pourquoi j'ai du hareng frit ici? Je ne sais pas, j'ai dû me tromper. Et je n'ai plus d'alcool. Il faut que je travaille. On va racheter des fruits. Tant pis, ça coûte de l'argent, mais bon. Je me dépêche. D'accord. Toi, tu vas produire de l'alcool. Mais je sais pas où est cette charrette. Atelier de tissage, ferme. La demande d'un comptoir est terminée. Qu'est-ce que tu fais là-bas, toi? C'est la femme que j'avais envoyée. Je me dépêche. Plutôt même décharger. Que je ne me fasse pas voler. Ah ben, du coup, on pouvait t'attendre. Alors, tu en es où? Te voilà enfin. Ça y est, on va dire que tu as tout déchargé. Aucune route n'est trop longue. Maintenant, on va stopper. Ça y est, il peut fabriquer. Le hareng, je ne sais pas s'il va bien se vendre. J'avais pas vu qu'ici on avait déjà tout ça. Ici, on va attendre. Dès qu'il revient, on va réexpédier. On va même mettre vitesse normale. On va acheter une nouvelle charrette à cheval qu'on va escorter. Voilà, on va mettre une avance rapide. Toi, tu vas emmener l'orge. Toi, tu vas emmener le bœuf. Du coup, vous deux, est-ce que je peux avoir la taverne d'ici? Il faut que je travaille. Un comptoir achète. Décharger, repartir. Sa grande fête. Décharger, repartir. On fait une grosse livraison. Ici. On va mettre des bourses en vente, des vêtements. Ici, tu prends tout ça, tu prends tout ça. Toi, va faire un apprentissage à la guilde. C'est qui? C'est Kraft, à la guilde des artisans. Donc toi, tu viens là et tu vas vendre. Le tour va passer. Du coup, il faut qu'on ait de l'argent. Un accord payer. Vient d'être convenu, entraînant l'application de nouveaux droits sous cette charte. Une dynastie est en deuil. Ville libre, d'accord. Ah non, attendez. A progressé de manière incroyable. À partir d'aujourd'hui, l'endroit ne pourra se faire appeler que ville libre, si c'est ça. Est-ce qu'on a un maire? Non, on n'a pas de maire. On va vendre du rôti de bœuf, on va mettre ça en production, enfin en vente. Toi tu produis énormément d'alcool, produis-nous de la bière blanche. D'accord. Ça y est, les charrettes sont là et ont déchargé. Il va nous falloir du... Il va absolument nous falloir du blé. Fin de tour. Il faut que nos enfants grandissent. Ce qui ne devrait pas tarder à arriver. Ça fait 16 ans qu'on joue. Je ne sais plus quand est-ce qu'on les a eus. Ici, je vais embaucher du monde. Voilà. Si je vais dans mon arrière-salle, on va attendre, quelqu'un devrait arriver. Une dynastie est en deuil. Voilà,
Du coup, toi, je veux que tu viennes là et tu vas me saboter cette petite taverne. Il y a déjà du monde là. Bon, là il y a des gardes. Tu vas venir enquêter. Tu vas enquêter ici. Après, qu'est-ce qu'on va faire ici? On met ça en vente, on met ça en vente, ça en vente. Est-ce que là-bas... Hop, nos charrettes sont revenues, nos charrettes sont revenues. On va se charger une charrette de ça, une charrette de ça. Toi, tu livres ici. L'atelier de tissage, tu en es où tu n'auras jamais le stock pour tout recevoir. Pour l'instant, tu ne reçois rien. Au feu. Un feu s'est déclaré à Londres, c'est bon. Allez, on accélère. Un espion a mis la main sur une preuve pour vous. L'idée aujourd'hui serait d'améliorer notre cabane de pêche. Un espion a mis la main sur une preuve pour vous. Un espion a mis la main sur une preuve pour vous. Parfait, il enquête bien. Mais on ne peut pas les dénoncer pour l'instant. Un espion a mis la main sur une preuve pour vous. Un espion a mis la main sur une preuve pour vous. Une dynastie est en deuil. Alors, est-ce qu'on peut se faire un peu d'argent? Ouais, ici, il va falloir qu'on vende tout ça. Allez, c'est parti. Je suis en route. Non, reviens là. On y va. Ça va être l'idée du jour, vendre un peu le surplus. Voilà, toi, mal aux pieds. Si je t'envoie vendre ça là. A priori, je pourrais recevoir un peu plus de blé encore ici. On a pas mal d'argent. Est-ce qu'on peut améliorer ça? Pas encore. Allez, on va vendre ça. Toi, tu arrêtes les moules, tu fais de la soupe. Oui. Une dynastie est en deuil. Toi, tu viens décharger. Allez, et voiture. Vendre ça. Ici, toi aussi, parce qu'on va avoir besoin d'argent. Où souhaitez-vous aller? Aucune route n'est trop longue. Ici. Hop, tu prévois. Donc ici, je peux recevoir un chargement de blé encore. Oh, mais j'ai plus de blé. Eh oui, celui qui était au blé est passé à l'orge. Me voilà avec un peu d'argent. Amélioration de ce bâtiment. Et du coup, il va immédiatement falloir se refaire de l'argent derrière pour payer les améliorations du bâtiment et pour payer les employés au prochain tour. Je vais revendre du poisson, j'en ai trop. Où ça? Ça ne prendra pas longtemps. Hop. Un bâtiment vient d'être aménagé. La demande d'un comptoir est terminée. Wow. Il y a eu un incendie. Il y a eu un terrible incendie à Londres. À Danzig, pardon, à Londres.
Ça va pas arranger nos affaires, tout ça. Là, on a notre cabane qui... Enfin, notre maison qui brûle. Du coup... Bâtiments commerciaux, bâtiments publics, toi. Viens immédiatement là. Allez, bouge-toi. En avant! T'es passé où? Servir de la bière. Ah, je pourrais servir de la bière dans un endroit. Béni soit ceux qui tu arrêtes tout ce que tu fais, tu viens dans la maison. Ici, je vais vendre tout ça. Décharger et repartir. On peut rénover le bâtiment. Toi. Finalement, tu vas repartir à l'auberge. Un bâtiment vient d'être rénové. Bon. Un comptoir achète des marchandises pour sa grande fête. Si je calme ici que j'achète... Enfin, que j'achète, que j'engage du monde. Je vais rentrer dans l'arrière-salle. Alors toi, je vais sortir du bâtiment. Tu vas me servir de patrouille. Tu vas patrouiller. De là, là. 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 Pourquoi je peux pas sélectionner les bâtiments? Hop. Si je rentre, que je vais dans l'arrière-salle. Eh bien toi, je t'ai pas dit d'aller... Je t'ai pas dit d'aller patrouiller. Patrouille de là à de là. D'accord, toi t'as décidé de pas patrouiller. Tu patrouilles de là à de là. Elle, elle patrouille pas aujourd'hui. Bon. Tant pis. Ici. Hop. Hop. Il faut que je travaille. Aucune va décharger. Ici, j'ai plein d'argent. Là, il va nous falloir du blé. Il faut que je travaille. Aucune route n'est trop longue. On va commencer par prendre du blé. J'ai mal aux pieds. Qu'on va livrer ici. On reviendra chercher le du blé qu'on livrera à la taverne. Toi, tu vas venir là et tu vas te livrer. Tandis qu'ici, on va vite remettre des choses en vente. Toi, tu vas reproduire du rôti de bœuf. Hop. Et c'est là-dessus qu'on va arrêter l'épisode 9. Et je vous dis à tout de suite dans l'épisode 10.